On est parti pour une petite journée d'entraînement. Donc aujourd'hui, grand soleil, franchement, ça fait plaisir de voir une journée comme ça. On est parti pour Menou, pour le terrain de cross de Sainte-Ménéhould. On part avec mon frère et Babar. Petite journée à la cool d'entraînement. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu autant de soleil, donc on va bien en profiter. Let's go. Dope shit like that, Jerm. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots of fancy things. The kids they call the Goonies. I see the future, crystal ball, mirror, mirror hanging on the wall. Who the flyest white boy of them all? Got your girlfriend screening all the calls. She bubbling, we fucking and you cuddling. Like baby, where the fuck you been? Don't wanna tell you she in love with him. So we ain't saying nothing. You could probably tell she bluffing, 'cause she kissed you with the mouth. She gave me head with my concussion. Yeah, she blushing all red. Wanna rush and go to bed. You interrogate that bitch like you the feds. So she says she in love with a rock star. Rock star wanna smoke my weed. So she asked me where the tops are. Tops are. Oh, top drawer. Oh, oh. Yeah. Bon, ça y est, on est arrivé. J'ai fait un petit tour du terrain juste pour voir un petit peu comme ça. Et franchement, il a été retiré sur plusieurs parties et c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut bien s'amuser. Le terrain, la terre est plutôt bonne. Mais c'est quand même assez sec pour le coup. Je pensais pas que ça serait aussi sec. Donc voilà, on va aller manger un petit bout, s'habiller, puis c'est parti. Donc voilà, il a été hercé sur plusieurs parties. Mais la terre, voilà, c'est de la boulette vachement dure quand même. Ça a bien séché. On est parti pour la première session. On va ouvrir un petit peu le terrain, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, la texture a l'air pas mal du tout. Ça a l'air encore un petit peu troué quand même. Ok, on va bien voir. C'est notre premier tour, on va y aller mollo. Ouais, c'est vrai qu'il est vachement sec hein. Les boulettes ont l'air vraiment sèches. Bon, je pense qu'il va évoluer au fur et à mesure de la journée. Bon, c'est la toute première fois que j'utilise la GoPro à cet endroit là, donc j'espère que ça rendra bien. On devrait plutôt bien m'entendre, j'ai pas mis la cage pour un moment, comme il n'y a pas grand monde, il n'y aura pas trop de protection. Mmh.
Ah, c'est vrai que c'est cool, hein, du soleil, c'est sec. On peut bien s'amuser. Bon, les premiers tours, je saute jamais, j'essaie toujours d'enrouler pour avoir un maximum de visibilité. On sait pas comment sont les réceptions, c'est pas tout ça. Du coup on a pas mal roulé, je vous ai mis juste avant une petite vidéo en GoPro avec la vue de la Mentonnière. Donc c'est la première fois que je la mets comme ça, donc on verra un petit peu l'aperçu par rapport à quand c'est sur le casque. Il y a vachement une vision qui est plus centrée sur le guidon, les bras et les mouvements qu'on peut faire. Donc on verra un petit peu l'aperçu que ça donne. Là j'en profite pour filmer un petit peu les copains pendant que j'ai fait ma pause. Et puis après je repartirai avec cette fois-ci la GoPro sur le casque, comme ça on pourra un petit peu comparer les deux visions. Que là c'est vraiment du béton, c'est vraiment sec. Par contre le terrain a énormément séché, c'est vrai qu'il y a pas mal de vent, donc toute la surface en fait, les boulettes sont devenues toutes dures et c'est plutôt glissant. Il y a aussi un quad des sidecars, donc ça aide pas, ça balaye vachement les boulettes et ça laisse vraiment le circuit vraiment béton. Mais par rapport à tout à l'heure, c'est vrai que là c'est vachement plus sec et du coup on a tendance plus à glisser sur les freinages, accélération. Bon ça y est, on a fini de les filmer, on va pouvoir retourner au camion et puis retourner rouler avec cette fois-ci la GoPro sur le casque.
shawty, yeah. Whoa. Stepped in the party, yeah, that bitch up from Mali. Cause he, yeah, stick on crazy. I like your color lady, yeah. Yeah, she know that I can order us. Yeah, she know that I'll make it right back. I feel like it's fun and I just got a tap. I did it again, man, I just got a pack. Yeah, shawty, look in her eyes, I see her from mom. 10 bands for the fit, nah, they tryna rob that shawty, she spent, she calling me poppy. Walked in the scene to get bitch, probably. And I just fucked your hoe, probably. 20 Montana Tucker, you can't stop me. Bitch, I'm designer, call me Tech Romani. I just seen her fast, lay low. I got the bullets, halo. She wanna come fuck, she won't say no. If you wanna feature, come and pay it all. I want the money to payroll. Don't say you real if you fake, though. She said that I'm hella the flame. Don't try to fuck with me if you ain't staying, no. Cause niggas stay ain't real, yeah. Hoes ain't real, yeah. I got so much fake love, nigga, I can't feel. Niggas, yeah, they sponsored by Carnegie. Cause they rockin' all steel, yeah. Nigga, they can't even bother me. But cause you ain't payin' my bills. That shit ain't no fun, she gon' swallow me. Bon, ça y est, la journée se termine tranquillement, toujours sous le soleil. Franchement, on a eu une super journée ensoleillée, c'était hyper cool, on s'est vraiment bien amusé. Le terrain a pas mal évolué dans la journée, on est passé du terrain RC au terrain béton poussiéreux et glissant, parce qu'il y avait pas mal de monde quand même. Mais franchement, non, c'était super cool, on s'est bien amusé, j'ai fait 2-3 plans GoPro. Et donc voilà, donc la vidéo va se terminer là, à la prochaine.